C'est malheureux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, car je suis sur ce monde. On se retrouve pour l'émission du jour du mercredi 14 juillet. Donc c'est plutôt une journée sympatoche. Non, c'est faux, en vrai, elle est assez pourrie. Bah comme d'hab, je joue pas. Ces derniers jours, je joue très tard et tout. Genre hier, j'ai commencé à jouer, il était 19h, je crois. J'ai même pas fait une game de seulement. Genre en vrai, je joue beaucoup moins ces derniers temps. Je fais passer des messages subliminaux à mes potes et tout, IRL. Ou voilà quoi, que je connais pour aller les voir et tout, mais bon, ils veulent pas donc c'est pas grave, je peux pas sortir, du coup, je suis un peu bloqué chez moi. Full téléphone, oh le téléphone, c'est toxique la vie. Je fais que passer ma vie au téléphone, du coup, mais bon, c'est pas grave. Moi, si jamais, pour ceux qui veulent savoir l'émission, il y a une petite mission V-Buck ici, donc en vue de planche ou des tickets rayon X, hein, comme moi évidemment. Donc voilà, c'est plutôt sympathique et sinon il n'y a rien de spécial d'autre, rien de survivant légendaire aussi si je me trompe pas. Mais sinon il n'y a vraiment vraiment pas de mission intéressante les gars aujourd'hui. Bon là je vous parle, il est déjà 17h, hein, donc en vrai ça sert à rien de vous montrer l'émission comme d'hab. Faudrait que je fasse ça à 2h du matin directement ou genre le matin vers les 8h, 9h. Mais j'ai la flemme quoi. Faut que je me trouve des concepts aussi à faire la vie. Là, de pas pouvoir avoir un concept et tout. Là, il y a un petit héros ici, en épique aussi, hein, Edge Scartmoucha ou je sais pas quoi. Avec le défenseur sniper, qui peut être intéressant, mais après, c'est du épique, donc c'est plus pour avoir des manuels. Donc, ça vous fait 200 manuels à hein, chaque fois, hein, quand il y a des trucs comme ça, épique, épique, c'est vraiment sympa pour monter vos héros rapidement. Mais sinon, ouais. Donc, ce que je disais, ouais, faut que je trouve des concepts et tout, mais en vrai, sur ce monde, c'est mort. Amber, c'est mort. Et j'aimerais bien reprendre FIFA, donc je pense FIFA 22, je vais le torcher. Donc je vais attendre septembre et vous aurez des vidéos FIFA du coup. Voilà. Si vous voulez, hein, bien sûr, ou des lives FIFA, fut champion le week-end ou quoi, je sais pas encore, mais à voir. Mais en attendant, ouais, je pense que ça va être chaud. Voilà. Voilà. Bref, là il y a encore un double épique. Donc un défenseur fils d'assaut, cette fois-ci c'est la femme, et un sur épique. Donc ça vous fait 200 manuels encore. Ça fait 400 en deux missions. Donc ça peut être sympathique. Hein. 400 manuels en deux missions. Franchement, ça régale. Hein. Tu peux. Feu de camp légendaire ici aussi. Petit piège intéressant. Hein. On va pas se mentir, ça reste toujours intéressant de faire des petites missions comme ça. Si vous l'avez pas encore, moi il manque que le pieu muro en double du coup. En piège, et après j'ai tous les pièges 100, enfin 130, oui, 130, on va dire. Après le dynamo, je l'ai pas monté encore. Vu que j'ai le. Et elle est là, la survivante légende. Vu que j'ai le. Comment elle s'appelle déjà? Le maxi électrocuteur. Donc j'ai pas besoin d'améliorer les deux. Après, je peux améliorer les deux quand même pour avoir les mêmes trucs, mais avec des différents affixes. Ça, évidemment, je peux faire. Mais. J'ai pas très envie là tout de suite pour l'instant, je préfère améliorer tous les autres pièges. Mais voilà. Donc là il y a un petit x4 foudre en bouteille aussi, je vous montre pas tout hein, comme d'hab. Je vous montre vraiment les trucs les plus intéressants. Donc déjà on va partir directement sur les x4 140. Donc évacuer le refuge ici avec un x4 XP de héros avec 61 U du cyclone, ça reste plutôt intéressant. Et évidemment il faut construire en briques celle-là. Ici il faut être 3 DQ épique avec un petit légendaire. Avec 325 000 d'XP de survivants, ça peut être sympathique. Donc là, tu construis un métal. Et là, on arrive sur la troisième mission 140 en 4 joueurs. Donc x4 récupérateur avec 61 U du cyclone, encore une fois, plutôt sympathique. Donc là, tu peux faire feu aux briques, peu importe, selon votre envie et votre confiance aussi dans la game. Là, tu peux construire aux briques ou métal, encore une fois. Et x5 fragments de tempête avec 250 récupérateurs légendaires, c'est plutôt intéressant. On va pas se mentir. Deuxième mission du coup chevauche la foudre fois 5 gouttes de pluie avec 415 récupérateurs, ça reste intéressant aussi. Donc là pareil, construire en briques ou en métal, tu t'en fous. Juste éviter le feu vu que c'est des zombies. Enfin le bois vu que c'est des zombies de feu, t'as capté. Évacuer le refuge encore une fois. Donc là encore une fois je répète, tu peux faire en briques ou en métal, peu importe. Et donc c'est x5 du clone avec 300 d'explorateurs épique. Après je vous conseille quand même de focaliser le métal vu que c'est quand même du du 160 de 5, 4 joueurs hein, bien sûr. Donc c'est assez chaud. Donc voilà, là encore une fois brique ou métal ça peu importe. Mais là il y a quand même un petit bomb agony ou des trucs comme ça. Donc ça peut être chiant, donc je vous conseille quand même plus le métal. Et puis là il y a un x4 d'éculège du coup avec un petit épique avec 250 d'éculège encore. Donc là si tu as besoin de décuplateur lège, c'est plutôt sympathique.
Donc ça, c'est pour ce qui est des missions normales. Après, en aventure, on va regarder directement s'il y a des trucs intéressants. Donc là, déjà, il y a un 225 d'éculège avec un x4 XP de chez moi. Ça peut être intéressant. Leader. Oh, il y a deux survivants légendaires au final. Deux survivants légendaires. Donc c'est plutôt sympathique sur un Discord. Ça va pas dire les missions d'aventure. Du coup, c'est un peu dommage. Donc deux missions survivants légendaires. Ça peut être sympathique. Hier, il y en avait une d'ailleurs, mais je l'ai pas faite. Malheureusement, vu que c'était en 60, j'avais vraiment la flemme. Comme je vous ai dit, bah là il y a trois missions qui m'intéressent, donc la mission Bebuck et les deux survivants légendaires, mais je sais même pas si je vais vraiment les faire parce qu'en vrai j'ai tellement la flemme de jouer que je sais même pas si je vais les faire au final, tu vois ce que je veux dire? Donc Ça veut dire que je vais ouais, avoir j'ai cru que c'était un bon des truc, super mais pouvoirs. au final c'est juste un survivant normal, donc J'en ai plus de pragmatique, je secrets l'ai pas pour besoin. vous. Faut que je m'achète encore les deux. Et du coup, ouais, demain dans 9h, enfin demain, c'est dans 9h quoi, il y a la nouvelle boutique, donc ça peut être intéressant. J'espère qu'ils vont mettre un bon truc là. Bah, du coup, oui, il vous reste 9h par si la Sigo est en épique, si vous voulez la jouer. Donc voilà, n'hésitez pas à l'acheter, hein. Et sinon, bah, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à mettre vos petits commentaires si vous trouvez que les missions de ces derniers jours sont intéressantes ou pas. Là, aujourd'hui, il y a quand même deux survivants légendaires et une webhack, donc ça c'est correct. Donc n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à la partager. Au moins, je continue à me faire voir et pourquoi pas monter en abonné encore. Toujours l'objectif des 850. Hein. Ça fait quelques semaines là que je sais pas, je regarde beaucoup les stats pour voir à quel moment je monte, mais c'est compliqué vu que je suis assez. Je fais un contenu un peu. Un peu facile, tu vois. Genre, juste je monte l'émission, tout le monde peut le faire, tu vois. Donc, c'est un peu un contenu facile, mais. Ah merde, j'ai augmenté, j'ai oublié de mon côté ici. Mais voilà, j'aime bien quand même montrer un peu l'émission le matin ou quoi. Bon, là, on est l'après-midi, on est même en soirée limite. Donc, c'est un peu dommage, mais quand même, peut-être qu'il y a des gens qui jouent le soir, ça change pas grand-chose, tu vois. Enfin, bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Et puis, sinon, n'hésitez pas à me suivre sur. Sur Insta ou Twitter, n'hésitez pas, si vous avez des questions à me poser, si vous voulez qu'on discute sur le jeu, sur les potentiels autres jeux que je peux jouer et tout, ça peut être intéressant, ou sinon même sur Discord, hein, du coup c'est là où je suis le plus actif. Donc n'hésitez pas à faire tout ça. Et puis sinon je vous retrouve sur Twitch pendant les lives, vu que j'ai arrêté les lives YouTube, je fais plutôt sur Twitch, je préfère. Même si ça change rien au final, en vrai c'est pas non plus un changement de fou. Mais si je fais des trucs par rapport à Sauver le Monde, évidemment que je vais faire des lives sur YouTube vu que c'est Sauver le Monde. Mais voilà. Voilà. Plus ça c'est les vacances et tout, en vrai je m'en fous un peu de. Je préfère jouer à d'autres jeux un peu plus divers, tu vois, que Sauver le Monde. Donc voilà pourquoi je choisis Twitch. Au moins je peux vraiment laisser ma chaîne YouTube sur Sauver le Monde et pas sur autre chose, tu vois. Enfin bref, je vais laisser là-dessus, comme là je parle. Donc voilà. Donc on se retrouve demain pour les prochaines missions du jour, dans 9h quoi, pour voir aussi la petite nouveauté hebdomadaire. Si c'est souvent des armes, hein, de toute façon, donc voilà. Et sinon, on se laisse là-dessus. Je vous dis à demain. Ciao!